¿Cómo dices? Estamos en el buen video. Sí. Airstone Heroes of Warcraft. Aujourd'hui, voilà, on va faire un peu de Airstone. J'avais un peu de des vidéos dessus. Ça avait l'air de pas mal aimer aux gens. Donc, on est parti. J'ai personne qui joue actuellement, donc c'est pas grave. Donc, on va prendre un petit deck de voleurs, hein, de voleurs, tout simplement. Et. Bon game, servi. Vous êtes sûr que c'est mon deck? Oui, c'est mon deck. Du coup, on est parti. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Une petite vidéo, voilà, détente, comme vous voulez, voilà, une petite vidéo de fin de journée. Cette vidéo va être encore de vendredi, voilà, on peut jouer à la suite du trafic dans des petits autres. J'espère que vous allez bien, en tout cas, super, vas-y, une très bonne journée. Voilà, merci pour avoir vu, comme vous voulez, la joie parce que c'est le commentaire, mais comme vous voulez, on a deux petits vidéos de pouvoir, malheureusement. Vidéo malheureusement, hein, excusez-moi les amis. Non, clairement, excusez-moi. Valira contre Rexar. Un peu de côté, mais c'est pas grave. Que la traque commence. Soyez sur vos gardes. Alors, inflige 2 points de dégâts sur un serveur indem, crie de guerre, invoque un limonde 1 sur 1 avec provocation et attaque d'ombre, inflige 5 points de dégâts à un personnage indem. Ok. Très bien, voilà, c'est pas mal de bonnes cartes. Travail terminé. Je vais rien utiliser parce que bah y'a rien d'intéressant. Je ne veux pas jouer ça. J'ai rien d'intéressant à utiliser donc je vais le laisser jouer. Clairement. J'ai ma petite spé là, mon petit pouvoir héroïque. On est contre un chasseur qui s'appelle Necker. Donc bah bonne chance à Necker. Il est contre moi. Là. Alors là, je sais pas si je peux dire qu'il y a un là. J'ai une bonne carte qui vient d'être invoquée, donc on va utiliser cette attaque là. Allez! Désolé. Désolé, mon petit Nekia. Hein. Petit Nakal. C'est parti. Tout des bois. Très bien. Quelqu'un a demandé un docteur? Croisé écarlate et bande sur cette carte là. Pour la croisade! Travail terminé! Divin ne peut pas être attaqué. Je crois pas. Non, la première fois qu'elle subit des dégâts, elle les ignore. Très bien. Ah, provocation! Ah, ça va poser un petit problème. En plus, il a l'air d'être pas mal résistant. Ça va poser un petit problème. Il va falloir un personnage bien résistant pour résister aux attaques qu'il va me faire. Sauf que première attaque qu'il fera, il n'endommagera pas de dégâts. Moi. Bouclier et maintenant. Bon. Il va falloir que je gère bien. J'ai eu 3-3. Invoque un limon avec provocation. Un plus 5 points de dégâts. Travail terminé. Assez de points, donc en gros, quand je l'aurai 5, c'est-à-dire là, je fais mon petit combo Murloc, Aileron Brilleux et mon clap du soleil brisé pour en fait simplement augmenter la puissance de mes Murlocs. Là, pour faire un peu de points de dégâts, ça va être un peu de dégâts. D'abord, le gars, après que j'ai un point de dégâts tous les serviteurs, ça je vais le garder par contre, ça peut être très difficile pour faire un balayage. Donc on va avec cette carte. Nous devons purifier le puits de soleil. Travail terminé. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Voilà, et du coup, on va avoir une petite fin de tour. Mon Murloc étant augmenté, il n'a pas trop de choix, il va devoir attaquer le Murloc avant toute chose. Quoi, vous regardez? On est parti.
je prends un. Même si on pour le détruire. Alors, que va-t-il faire? Un rapport au chevang. Très bien. Il n'y a pas de souci. Et fait tomber les points de sa vétéran. Ici. Ouais, d'accord. Ok, je suis pas dans la merde, moi. En plus, bah, il a charge. Alors, ce qu'on va faire là, je pense qu'on va. On a notre spécialisation qui nous permet d'attaquer exprimement. Je vais attendre d'avoir des gouttes d'assassin pour en fait augmenter mon attaque. D'ailleurs je crois pas les avoir dans le décompte, je suis pas sûr. Donc voilà, bah, y a plus qu'à attendre. L'assommer pourrait être très utile, comme il pourrait être très négatif parce qu'il me coûte quand même 2 de mana. Et j'aurais bien pas fait de mon mana. A mon avis, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Pêche-toi. Alors. J'ai pas grand chose, mis à part dans le. Dans sa main. Et on va envoyer. Allons-y. Attaquer en face. C'est très chaud les gars, c'est très très chaud. Oh oui. 2 points de dégâts, très bien. Par contre, il n'a toujours pas allumé mon chapeau de rivière. Arrête d'agonie avec 2 hygiènes, 2 sur 2. La lame d'assassin, alors c'est beau, j'ai la lame d'assassin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer les petits combos, c'est-à-dire qu'on va faire. Alors ça, on va regarder pour le prochain rang. On va commencer déjà par envoyer des sorts, dès que je veux, c'est ça, on va voir. On va lancer du sort. Vous aimez jouer avec le feu? Allons-y. On va faire autrement, il faut choisir des dégâts aux chasseurs. Même si c'est en lion que les dégâts, c'est quand même devenir des sauvages. Il va invoquer deux râles d'agonie. Et donc, du coup, je n'ai pas dû attaquer, c'est vraiment plus de dégâts que chose. Donc, très vite des provocations si je veux pouvoir un peu mieux me défendre. Je me demande. Je trompe pas. Comme d'hab, mal au bord. Enfin, j'ai intérêt à faire quelque chose. Tu vois, tu fais. Il a juste un petit rachat. Sauvage. Aïe, j'ai dit provocation. Je vais pas pouvoir faire autre chose. Tazingo! Nous devons purifier le puits de soleil. Allons-y. Par contre, maintenant qu'il y a une provocation qui est en plus boostée par mon clair, je l'ai brisé. Il va falloir qu'il élimine absolument mon maître au bouclier de Sunjin s'il veut faire quoi que ce soit parce que c'est une provocation. Donc, voilà. En avant. Allons-y. Pas assez de dégâts en fait, je veux vraiment que je vide le board, surtout qu'il en a un, il est puissant, le puissant de carte. Ça je risque d'être là.
Il peut utiliser l'un de ces deux-là pour détruire lui. Donc dans tous les cas, il détruit lui. Et après, il pourra lancer lui sur le. Les chiens sont de sortie. Provocatif. Putain. Il a gagné, je pense. Il a gagné, je pense, parce que franchement, là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas défendre, je ne peux rien faire. Il quand il a gagné. Sauf ici. C'est quand même la fin. Allons-y. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Travail terminé. Quand même plus malheureusement. J'abandonne. Voilà. Bien joué. Eh bien, bien joué à toi. Malheureusement, j'ai perdu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo détente. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec moi, je vais vous donner donc piste de 15. Je vais vous parrainer. Notamment, j'aurai des cas. Enfin, vous allez parrainer. Voilà, c'est ça. Donc ceci sera dans la description de la vidéo. Voilà. Si ça vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Donc voilà, ça sera mon petit lien de parrainage. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était Zorgavaz, allez, bye bye tout le monde.